qu'il vienne, le Seigneur. C'est lui le roi de gloire. Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Paix et joie de là où tu te trouves, paix et joie en ce matin, en ce nouveau jour que Dieu nous donne par sa grâce. En ce matin encore, nous sommes réunis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit, avec tous nos anges gardiens, avec tous les saints et les saintes du ciel. En ce matin encore, un privilège de pouvoir nous tenir debout, debout dans la présence de notre Seigneur Jésus, qui nous donne encore un nouveau souffle, qui vient renouveler encore ses bontés dans chacune de nos vies, qui vient encore étendre sa main de grâce et de compassion dans nos vies. Qu'il est grand, qu'il est beau ce roi de gloire qui vient dans notre vie. Dans quelques jours, nous allons l'accueillir, l'accueillir comme il se doit, l'accueillir dans nos foyers, l'accueillir dans nos familles, l'accueillir au sein de nos nations. Alors qu'il vienne ce roi de gloire, qu'il vienne dans sa splendeur, qu'il vienne dans sa grandeur, qu'il vienne apporter la paix, qu'il vienne encore augmenter l'amour, la foi et l'espérance dans nos cœurs. Que là où l'espérance était morte, qu'il vienne encore raviver, qu'il vienne encore raviver et rallumer les flammes qui étaient éteintes en chacun de nous. Ce roi de gloire, cet Emmanuel-là que nous attendons. Alors Emmanuel, viens. Viens parce que nous t'attendons. Viens parce que tu es le roi de gloire. Viens parce que nous avons besoin de toi. Viens parce que le monde t'attend avec impatience. Qu'il vienne. Le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Amen, amen, amen. Qu'il vienne le Seigneur. Qu'il vienne car c'est lui le roi de gloire. Qu'il vienne le Seigneur tout comme Jacob, nous recherchons sa face. Qu'il vienne le Seigneur encore remplir les espaces vides de nos foyers et de nos familles. Qu'il vienne le Seigneur, l'Emmanuel de nos vies, le Dieu parmi nous. Nous donner encore cette espérance-là, l'espérance aux choses d'en haut, l'espérance aux délices du ciel. Qu'il vienne cet Emmanuel dont nous avons besoin. Qu'il vienne cet Emmanuel
pour calmer les orages de nos vies. Qu'il vienne, cet Emmanuel, pour calmer les eaux troubles de nos vies. Qu'il vienne, cet Emmanuel, apporter consolation aux foyers et aux familles affligées. Qu'il vienne, cet Emmanuel, guérir les cœurs et les âmes. Qu'il vienne, cet Emmanuel qui nous a été promis. Oui, l'Emmanuel, roi de gloire. L'Emmanuel rempli de compassion et d'amour pour nos vies. Qu'il vienne, cet Emmanuel. Qu'il vienne, le les hôpitaux, qu'il vienne visiter nos nations, qu'il vienne dans sa splendeur visiter nos âmes, qu'il vienne Emmanuel, Dieu parmi nous, qu'il vienne. Emmanuel, viens visiter nos foyers, viens visiter nos familles, viens visiter les prisons, viens visiter les hôpitaux. Viens, viens parce que nous avons véritablement besoin de toi, Emmanuel. Alors bien-aimé, en ce matin, que l'Emmanuel que tu attends tant et que tu désires ardemment, que cet Emmanuel-là, par Marie, vienne, vienne t'apporter tout ce dont tu as besoin. Qu'en cette Noël que nous attendons, qu'il vienne véritablement te visiter, qu'il vienne véritablement te faire du bien, qu'il vienne véritablement remplir tous les espaces vides de ta vie. Et c'est dans cet élan d'espérance, dans cet élan d'allégresse, d'amour, que je te souhaite de passer une excellente journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.